Aujourd'hui, dans nos packs disponibles, nous avons les deux icônes SBC qui ont été faits, bien évidemment. Donc comme vous le savez, on cherche les plus grosses icônes. Mais là, à la fin, voilà, pack icône de base. Donc du coup, je garde un peu mes packs pour la TOTY. J'ai dû en ouvrir quelques-uns pour les revoir apparaître. Mais bon, c'est pas grave. Alors bon, R9, on l'a acheté, mais bien évidemment, si on le pack, ça nous fait rentrer 9 millions. Là, en numéro 1, vraiment, c'est Roulitte. En numéro 1, pour mon milieu centre, c'est vraiment lui qu'il me faut. Et après, en vrai, on prend tout. Mais voilà, c'est les plus grosses, bien évidemment, qu'on a préparées. Donc on verra un peu ce que ça donne. Si on peut chatter là, ce serait assez cool. On se souvient que les trois premières icônes qu'on avait faites, on avait eu Viera, donc plutôt content. Les trois suivantes, on n'avait vraiment rien eu de fou. Et donc là, maintenant, voilà, où c'est qu'on en est? Est-ce qu'on va chatter ou pas? Ça, c'est la question. Quoi qu'il arrive, on utilisera les deux icônes pour faire un petit match pour les tenter. Parce que c'est quand même dommage de packer des icônes mais de pas les essayer. Donc là, on va se forcer de les essayer quoi qu'il arrive. Et puis voilà. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Un beau drapeau pour rêver un peu s'il vous plaît. Oui. Non. Ah, Ribéry? Non, il est âgé je crois. Ah, dommage. Putain, on l'a déjà eu. En plus, Pirès, je l'ai mis dans un SBC. Je suis d'accord. Je l'ai balancé dans un SBC, Pirès. Bon, écoutez, au moins, on l'a pas en doublon. Hein? Allez, on testera Pirès, du coup, dans l'équipe. On sait pertinemment que ça va pas nous faire surkiffer. Mais bon, testons-le. Le deuxième pack icône. Au moins, on a déjà un drapeau français. On a kiffé un peu, tu vois. Pack icône de base, les gars. C'est quoi ça, pack élément joueur de pré-radioactivité? On s'en fout. Vas-y, on va l'ouvrir vite fait, parce que comme ça, au moins, ça traîne pas dans les packs, TOTY. On a déjà eu un drapeau français. Est-ce qu'on peut chatter un deuxième drapeau? Là, c'est tout ce qu'on va chercher. Un petit drapeau sympa, s'il vous plaît. Allez, faites-nous rêver, là. Ah. Ah. Ça va être dur, ça. Ça va être dur. Ah ouais, bah ouais, encore une fois, hein, c'est la deuxième fois qu'on le pack aussi. Hein. Ouais, on commence vraiment à être pas terrible sur les packs icônes, hein, on va pas se mentir. Ouais, je crois qu'on pack vraiment les pires. Hein. Bon, bah écoutez, Paul Scholes, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, gardons-le dans le club et on va voir un petit peu ce que ça fait. Bon, alors le seul point positif de Paul Scholes ici, c'est qu'on a une icône de Manchester United. On va donc aller jouer vite fait en Rivals un petit match pour tester bien évidemment cette équipe-là. Hop, on a bien évidemment pas chaté ce qu'on souhaitait, mais c'est pas grave. Du coup, Paul Scholes va prendre la place ici de notre Joe Ellington. Et je pense que Pires peut jouer AG, j'imagine. Voilà, parfait. On va un petit peu focus aussi les styles de jeu. Donc on sait qu'en termes de passe en profondeur, c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre ça. Passe en profondeur, tir puissant. Pourquoi pas aussi. Ok, passe en profondeur, tir puissant et passe longue. On va focus ça. Et Robert Pires, on est sur des tirs en finesse. Ok, donc il a le cheat finesse. Donc pourquoi pas. Contrôle du ballon. Ok, bon bah écoutez, on va tester ça. Voir ce que ça donne. Après, à tout moment, on a découvert un énorme joueur. Bon, on n'y croit pas une seconde. Mais testons le truc, voyons voir ce que ça donne. Et puis bonne chance à tous quoi, bien évidemment. Allez, testons Paul Scholes ici. À tout moment les gars. Ah, déjà dès le matin. Premier match c'est ça. Ça fait un peu peur hein, on va pas se mentir. Oh Robert. Oh Robert. Ah oui, bon, c'est pas lui qui va prendre la profondeur, c'est une certitude hein. Ah, j'ai pas réussi à lui transmettre. Ouh, Paul Scholes, c'est lent. Oh là là. Ah ouais, ça c'est nul aussi. Oh, elle est belle celle-là. Ça, normalement, c'est but. Voilà. On connaît la spéciale. Hein. Moi, on va mettre ça là. Bien évidemment, quand t'es dans les 16, la petite fois enveloppée. Et t'es bon. Hein. Allez, 1-0. Ah, il va refaire le cheat, j'imagine. Oh, la gueule des joueurs, vraiment. Les gars, achetez-vous une conscience. Vous pouvez essayer de marquer autrement, les petits potes. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ah bien, Pires, la finesse du joueur. Retenez bien cette passe, c'est le seul truc que vous verrez de Robert Pires hein, sur ce match. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un à qui on peut faire la passe ici? Robert. Oh là là, qu'il est long. Oh là là, qu'il est long. J'essaye, hein. J'essaie d'utiliser la frappe en puissance avec Paul Scholes, mais faut trouver de l'espace, quoi. Oh non, je vais la mettre à Robert pour le faire briller. Tu vois, ça va vouloir trop faire marquer les joueurs que tu testes. J'aurais dû frapper, hein, vraiment.
Oh, l'arrêt de Smeichel, dommage. Ah bon, bah c'est un peu trop pour lui. Bon, on va faire un deuxième. Hein. L'époque où j'avais des argents me manque. Ouais, ça après, les gars. Le contenu est cool en vrai, tu vois. Mais bon, après, oui, c'est un peu ce que les gens ils en font. Après, moi, tu vois, je suis pas à plaindre. T'as vu l'équipe que j'ai, quoi. En vrai, sur l'équipe, on a rien à dire. Hein. On a de la chance. On peut tester les joueurs qu'on veut. Là, d'ailleurs, tu vois, je pense que R9 vient bientôt repartir en vente pour récupérer les crédits et puis pouvoir se faire plaisir avant la TOTY, histoire que de pas perdre trop de crédits. Je pense que je vais perdre en tout cas 500 000 dessus. Peut-être 400 000, tu vois, c'est sûr. Mais après, voilà, au moins j'aurai mes 9 millions. Tant qu'il descend pas en dessous, ça me va. Et puis là, après, on pourra tester tous les joueurs qu'on veut chaque semaine, quoi, c'est ça le but maintenant, tu vois. Tu vois, là, comme par exemple, là, sur l'événement, tu vois, après, je l'ai packé, donc j'ai testé Zaha. Tu vois, c'est comme ça que tu préfères le jeu, quoi, c'est de pouvoir tester les joueurs et de pouvoir te faire plaisir, quoi, c'est le numéro. Putain, il n'y a que des Aubameyang aujourd'hui. Hein. Beckham, magnifique. 1-0, David Beckham. Si je me prends des buts de David Beckham, moi, je suis content, ouais, tu vois. J'aime pas quel pied il est, Robert. Je pense qu'il est gaucher, en vrai, mais... Oh, putain. Tu dribbles 14 personnes, mais avec l'autodef, t'as tellement de défenseurs sur le dos. Oh, je me suis placé pour la passe, en plus. Vexant. Ouh là là. Ouh là, lilalou, là, lilalou. Non, bicyclette. Bon, ça va. Mais bicyclette, ça aurait été mieux. Allez, égalisation de R9. Bon, pour l'instant, on voit pas trop mes deux icônes. Hein. En vrai, on va pas se mentir, on le savait. Hein. On savait pertinemment que ça allait pas être forcément fou. Bon, Paul Scholes, après, éventuellement, tu vois, au milieu de terrain, pourquoi pas. Tu vois, tu vas lui demander des passes et tout, mais c'est vraiment, vraiment limité, quoi. Hein. On va pas se mentir. Oh non, Paul, j'ai même fait le cheat avec les sorts du pied. T'as pas le droit de faire un poteau là-dessus. Oh, il m'a déçu. Allez, faut marquer le deuxième là. Oh, on avait envie de tenter. Oh, Robert Pires s'est vraiment éclaté au sol. Hein. Je sais pas comment vous faites pour jouer avec ce truc. Pires ? Ok, c'est bien mon petit. Au moins il aura marqué un but dans ce test. Il finira quand même en SBC, hein, je vais pas mentir. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clairement différent. Bon, après, Pires va nous mettre un doublé, bien évidemment, pour me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. T'as pas envie d'avoir Ribéry? Je sais pas, on va tenter d'autres joueurs. Je sais pas encore qui c'est que je vais prendre. Je crois que ma première chose que j'ai envie de tester, de toute façon, ça va être peut-être Ronaldinho et Gullit au milieu de terrain. Sur les postes, éventuellement, qui me feraient kiffer d'améliorer. Donc on verra ce qu'on va faire. Ça, c'est le centre. Oh! Oh la galette. Bon après c'est Mohamed Salah, hein. C'est Mohamed Salah la finition, mais la galette était sympa de Robert. Ok. Allez bien Mbappé. Allez, je pense que là, la messe est dite les potes. Bon, écoutez, sympa, mais pas, voilà, je vais pas vous mentir, malheureusement pas Game Breaker. De toute façon, on le savait pertinemment, quand tu vois le prix des icônes, tu sais très bien que là, tous les joueurs qui sortent à leur poste, même maintenant, sont quand même plus intéressants. On sait que pour un mec qui joue sur le côté, il va falloir un petit peu plus de vitesse et de vivacité pour pouvoir faire la différence. C'est une certitude. On sait que pour un mec au milieu de terrain, il va falloir être bien plus complet en termes défensifs et tout, et physique. C'est une certitude aussi. Donc du coup, voilà, on sait que malheureusement, ce qu'on a packé va être plutôt utilisé, c'est certain, en SBC, quoi. Parce que tu vois, malheureusement, bah là, Paul Scholes, j'ai pas peur de le dire, tu vois, je préfère limite Joel Linton, là, à l'heure actuelle, au milieu de terrain, et en attaque en gauche, bon, là, on a Son, je vais pas te mentir, c'est mille fois meilleur que Robert Pires, quoi. Donc, voilà, ça va pas être forcément utilisé de fou, mais écoute, on verra ce qu'on va en faire, tout simplement. Et puis, bah, du coup, ouais, R9, faut avoir pour que je le liste. 9 999 000 ici. Il va falloir le lister un jour, je sais pas encore quand, mais je le listerai.